bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis encore malade, excusez-moi, je parle du nez, décidément. On se retrouve aujourd'hui, alors il y a du bruit à l'extérieur, jardinage, super. Comme par hasard, c'est au moment où je filme, il se rapproche. On se retrouve donc pour ouvrir le colis de Zalando, essayer d'abord, payer après, il n'est pas très gros. C'est parce que j'avais envie d'une robe, j'avais vu des robes sur Zalando que je trouvais très sympa et j'avais envie de faire un petit essayer d'abord, payer après, un petit peu comme les mâles, c'est-à-dire vous ne payez rien, vous choisissez, vous ne payez rien et vous ne payerez que ce que vous aurez gardé. Essayez d'abord, payer après, le principe, voilà. Vous mettez le numéro de votre carte et on ne vous prélève rien, vous avez quand même un certain temps pour renvoyer, je crois que c'est 15 jours ou enfin c'est très ou 10 jours, je sais plus, et vous ne payez que ce que vous aurez gardé. Donc je ferai les essayages après, bien évidemment. Donc je n'ai pris que des robes. Et d'ailleurs, je crois que j'ai pris une robe aussi avec deux tailles différentes parce que j'avais hésité. Allez, c'est parti. J'ai envie de robe en ce moment. Voilà, le printemps est là, l'été va arriver. Alors, j'ai la facture. J'ai pas pris mes lunettes, donc je ne vais pas spécialement bien voir. Si, on voit bien. Alors, je commence avec celle que j'ai commandée en deux tailles différentes. J'ai commandé du M et j'ai commandé du L parce qu'il disait que ça taillait petit. Effectivement, il y a des avis. Donc, voilà. Alors, je vais ouvrir que la M pour l'instant. Enfin, j'en ouvre qu'une des deux. Hein, puis après, je verrai à l'essayage ce qui va le mieux. Alors, évidemment, il faut essayer d'ouvrir à peu près bien de façon à, si vous devez renvoyer, à ce que ce soit le plus net possible. Il faut surtout bien garder les emballages pour les retours. Voilà. Alors, c'est de la marque Even et Odd. Et Odd, je ne sais pas comment on dit. Even et Odd. Alors, c'est très coloré. Hein. Alors, je vous montre. Oula. Je ne sais pas quoi en penser là. Il faut voir porter. Hop. Alors, elle est comme ceci. Le col carré. Les manches papillon que j'aime beaucoup. Elle est... Oups. Elle est très longue. Elle fait un peu tablier. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Elle est ouverte sur le côté. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle n'est pas ouverte sur un côté? Non, pas du tout. Bon, il faut voir à l'essayage. C'est vrai que sur les mannequins portés, ça fait joli. Après, sur soi, il faut voir. Le prix de cette petite chose. Alors, il n'y a pas écrit là-dessus. Il va y avoir écrit sur la facture. Alors, elle est à combien? Elle est à 21,99 €. Je vous marquerai le prix d'origine et donc là, le prix que j'ai payé. Enfin, que je dois payer si je garde, 21,99 €. Ok, bon, on verra à l'essayage. Je ne vous montre pas la taille L parce que c'est la même. Hop. Ensuite, j'en ai commandé que 4 réellement, voilà. Je vais ouvrir, allez, celle-ci. J'aime beaucoup le bleu. Alors, hop, on va ouvrir... gentiment. Alors, vous voyez un petit peu les motifs. Voilà, c'est ça. Donc, là, pareil. Je crois que j'ai pris que des marques, que la même marque partout, oui. Donc, ce sera toutes Even et Odd. Ah, là, il y a écrit Tall. J'avais pas vu. Tall, ça risque d'être trop grand pour moi. Trop long. Bon, après, on peut couper. Hein. C'est pas un problème. Alors, elle est... Alors, les bretelles sont réglables. Alors déjà, je vois que c'est hyper large. Moi qui ne suis pas très grande, donc je vais resserrer. Voilà. Hop. Pour vous montrer à peu près ce que ça donne, parce que quand c'est trop large. Donc devant, elle est comme ceci. Il faut resserrer avec un petit lien. Hop. Comme ça. Bon, il faut voir porter parce que là, comme ça, voilà. Un petit lien. Elle est, pour le coup, elle est longue. Ben non, elle arrive à la cheville, donc ça va. On peut, donc là, élastique au niveau de la taille. Bon, il faut voir porter. Il faut la voir porter.
Celle-ci, elle est au prix de... Blue, ça doit être celle-là. 24,89 €. Ok. Bon, elle est agréable. Elle a l'air... Bon, s'il n'y a que l'élastique, je sais pas. L'élastique, elle n'est pas doublée non plus. Bon, c'est pas grave, hein, c'est léger. Je sais pas. Avoir porté. Bon. La couleur est très sympa pour l'été. Ensuite, celle-ci, alors c'est du bleu aussi. Alors, c'est toujours la même marque. J'ai du mal à parler. Ah, la matière est déjà plus agréable. Regardez le motif. Hop, comme ça. La matière est déjà plus agréable. Ah oui, j'en ai de ce modèle-là déjà que j'aime beaucoup. Alors, le col est carré, d'accord? Les manches sont comme ça, ballon un peu et élastique, là. Et derrière, au niveau du haut du dos, c'est smoké. Voilà. Elle est longue et elle est ouverte, voilà, sur le devant. Donc, celle-là, elle est très, très jolie. Je ne sais pas si je ne me trompe pas pour les prix. Je vous les noterai en bas parce que je ne suis pas sûre des prix. Comme il y en a deux bleus, celle-là aussi, j'ai peut-être confondu les deux prix. Voilà, donc celle-là, j'aime beaucoup le modèle et la matière est très, très jolie. J'ai le nez qui coule, encore une fois. Je suis malade, donc c'est très chiant. Hop, et la dernière. Alors là, c'est pas du bleu. C'est l'ouvrir à peu près comme il faut. Alors là, c'est dans les tons orangés. Je vous montre. Très joli aussi. J'ai pas cette couleur, c'est très bien. Alors, c'est le même modèle que l'autre. Sauf que voilà, j'avais hésité dans les couleurs. Bleu ou cette couleur. Sachant que le bleu, j'en ai déjà pas mal. C'est la même. Donc, col carré, manche, ballon. Et pareil, ouverte là sur le côté. Franchement, elles sont super agréables, ces petites robes. Je vous marquerai les prix, hein. Très très agréable, je la trouve très très belle. J'en ai déjà une jaune comme ça, une autre, je sais plus quelle couleur, verte. Elles sont très très jolies. Celle-ci, red white, peut-être celle-là, 21,99 €, vous voyez, c'est pas cher. Voilà, j'en ai fini, je vais passer aux essayages et comme ça, je vous montre ce que ça donne et comme ça, vous pourrez me donner votre avis également. Parce que j'ai à peu près 10-15 jours pour envoyer avant de payer. Voilà, allez, c'est parti pour les essayages. Alors, voici la première. Alors, finalement, j'ai essayé la taille M. Et même comme ça, c'est un peu large sur le haut. Je ne vous avais pas dit, il y a une fermeture éclair là sur le côté. Donc, voilà. Je trouve que ça, vous voyez, ça adhère... Enfin, ça adhère pas. C'est pas collé. Je sais pas. Mais sinon, elle est plutôt pas mal, les manches comme ça. Hop. Je monte sur mon petit tabouret. Voilà, elle va jusqu'en bas. Donc... Bon, on voit un petit peu le bidou. Alors, en même temps, je me dis, là déjà, en haut, c'est large. Donc, si j'essaye la L, ça va peut-être mieux aller là. Mais en haut, ça va être une catastrophe. Voilà. Bon, elle est jolie, mais le fait qu'elle soit large là, que ça colle, enfin, que ce soit pas... regardez, c'est large quand même. Donc, ouais, je sais pas. Puis le S, ça n'irait pas du tout. Bon, mais sinon, elle est plutôt jolie. Elle est plutôt jolie. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on met la suivante. C'est parti. Alors, la petite bleue, elle est plutôt jolie. Regardez. Très, très jolie. Alors, il y avait écrit tôle, mais alors l'élastique arrive juste en dessous de la poitrine, donc c'est pas gênant. On peut lever les bras, ça remonte pas, ou voilà. Je la trouve plutôt jolie. Il y a le... Ouais, on peut pas... Elle est plutôt, hein, elle est plutôt jolie. Je monte sur mon tabouret pour vous montrer ça. Hop. Oups. Un de ces quatre, je vais me casser la figure. Voilà. Donc, c'est pour les grandes. Donc, elle n'est pas ouverte. C'est pour les grandes. Mais finalement, ça arrive pile poil au niveau des chevilles. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais. Le tissu est très agréable. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Même le motif. C'est plutôt très, très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Celle-là, je me tâte un peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Hop, très beau, très très joli. Alors, la petite bleue. Alors là, justement, vous voyez, ça adhère beaucoup mieux, mais parce que derrière, c'est smoké.
Si vous voyez, c'est smoké. Donc du coup, ça, vous voyez, ça colle mieux à la peau. Donc ça, c'est la petite bleue. Alors, attendez. C'est un petit peu serré, là. Je sais pas quoi. Oh non, ça va. Ça va. Parce que je l'ai mal mise. Voilà. Alors, soit vous la mettez comme ça. Soit vous la mettez... Attends. Comme ça. Vous voyez ? Mon soutien-gorge qui est là. Je ne voulais pas trop. Hop. Voilà. Soit vous la mettez comme ça. Moi, perso, je préfère la mettre comme ça. Voilà. Donc, très, très jolie. Hop. Elle tombe très, très bien. Bah, c'est le modèle que j'ai déjà. J'ai oublié de vous dire également, mais là, on a une fermeture. Hop. Et ça donne ça. Donc, jusqu'en bas. Et elle est ouverte. Vous voyez? Donc, elle est très, très, très jolie. J'aime beaucoup, beaucoup celle-là aussi. Après, il va falloir que je me dessine entre les deux motifs, celle-ci et celle d'après. Regardez. C'est très, très... vous voyez? C'est très, très joli. Bon, après, j'avoue, il ne faut peut-être pas avoir une grosse poitrine, sinon il faut prendre la taille au-dessus. Moi, ça va encore. Voilà. Bon, je vais passer l'autre et je vais voir ce que ça donne. Mais le fait qu'elle soit ouverte, franchement, c'est super agréable. Hein. Allez, je mets l'autre. Alors, voilà la deuxième. C'est le même modèle, mais ce n'est pas le même motif, vous voyez. C'est pas... voilà. Je crois que je préfère celle-là. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais moi je préfère celle-là, je crois. Voilà, le motif, je le trouve très 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 joli. Très très joli, toujours smoké derrière. Je monte, hop, voilà, je vous montre, hop, c'est ouvert. Elle est très jolie, j'avoue que elle est très très belle. Voilà, donc il y a des chances que c'est celle-ci que je préfère garder. Toujours la fermeture là sur le côté. Ouais, elle est très très belle, hein. Franchement, très très jolie. Dites-moi, hein, vous voyez le motif, très très beau. Comparé à l'autre, je vous montre l'autre motif. Voilà, je crois que je préfère celle-là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'en ai fini avec les essayages. Allez. Alors, j'en ai fini avec les essayages. J'ai tout essayé. Alors, je vais me tâter à garder... Je pense celle-ci, que je trouve plutôt sympa, le modèle et le motif, et celle que j'ai sur moi. Mais je me demande si je ne vais pas prendre une taille au-dessus. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si je la garde et que je prends une taille au-dessus, parce que là, ça sert un peu quand même. Et là, un petit peu quand je m'assois ou quoi. Donc, je vais voir. J'en ai fini avec cette vidéo. Donc, les prix, je vous les aurai mis sur l'écran. Les prix auxquels moi ça me revient, le prix d'origine et le prix auquel ça me revient. Donc 1, 2, 3, 5 robes. Allez, je me dis j'en garde 2 max. Il y a des chances donc que je garde celle-là, mais il me faut une taille au-dessus. Et la bleue, je me tâte également. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en barre d'infos. N'hésitez pas à essayer et le principe essayer d'abord, payer après. Ma fille qui s'en va avec sa copine. Tu mets pas de veste? T'as le cou à l'air? Tu vas être malade? C'est pas grave. C'est pas grave. Et après, c'est moi qui suis malade. C'est pas grave. Donc, n'hésitez pas à essayer ce principe. Essayez d'abord. Ouais, c'est un peu serré. Essayez d'abord, payez après. Si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air. Ça me fera plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo, aucun bon plan. Et sur ce, moi je vous dis bonne journée et à très très vite !